Ouais, vas-y vraiment. Hein. J'y vais vraiment. Ouais, ouais, vas-y vraiment. Ouais, ouais. Alors, où on est aujourd'hui, les amis? Eh bien, on est à Montlouis-sur-Loire avec notre ami Xavier Weisskopf. Je ne sais pas si je le dis bien. Très bien. Très bien. Pour les apéros d'Erwan, on a été faire les courses au marché ce matin. Et puis donc là, Xavier a eu la gentillesse de nous accueillir. T'avais plus rien à manger ou quoi? Non, il n'y avait plus rien au frigo. Et puis, t'as trouvé de la moutarde. Nous, on n'en a plus. Bah, je te laisserai le reste du pot. C'est du pourpier, ça? Ouais. Bah, il y en avait dans les vignes. Mais tu vois, j'ai pas osé en ramasser. Qu'est-ce que je vais faire d'ailleurs? Ah oui, je vais faire une petite sauce tartare. Ça va être frais, ça va être peps. Et je vais faire ça avec un petit maquereau. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Bah, ça serait bien d'éplucher deux petites échalotes là. On est où, Xavier? On est chez nous. Vous êtes chez vous? Et c'est où chez vous? On est en Touraine, à Montlouis. Et c'est où, Montlouis? Montlouis, c'est the place to be. Donc des petits cornichons français, frais du Val-de-Loire. Ouais, t'as vu, j'ai acheté local. Au vinaigre d'Orléans. Ce qui est important, c'est de savoir comment ils sont, quoi. C'est bon? C'est super bon, même. Ah, ils sont très très bons, c'est clair. Ils sont super frais, croquants, c'est bon. Moutarde d'Orléans, comme quoi il y en a encore. Intox. J'ai le droit de goûter, ah, je peux mettre mon doigt? Bah vas-y. Ah, c'est bon, ça... Ou ça... C'est la moutarde, quoi. Ouais, c'est la moutarde d'Orléans. T'as eu la gentillesse de nous amener des œufs parce que t'es fermier, c'est ça? Un petit peu, ouais. Je fais aussi un petit peu de vin. Ah, t'es vigneron, toi? Ouais, j'essaye. Ah, d'accord. Parce que ils il a des sont petits... pas très propres. Hein, il, a des petits... il a des petites poules. Bah, ça sort du cul de la poule. Dans le cul sale, bah, ouais, ça sort du cul de la poule. On le met où? On ne garde pas le blanc, on garde que le jaune. Tu sais monter la mayonnaise ou pas? I can do it. Allez, vas-y, vas-y, tourne, tourne, tourne. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Il faut fouetter plus fort. Ah, bah. Ah ouais, ouais. Il faut que ça soit ferme un peu. Là. Ça, c'est bien. Un petit peu d'estragon de chez Olivier Rollinger. Pour donner un coup de peps à ma sauce. Goûte. Allez. Tu valides? Ah, c'est bon. C'est bon. Et ton pourpier? C'est du pourpier maraîcher, exactement. Moi, je ne savais même pas ce que c'était, je ne connaissais pas. Et la feuille est plus grasse encore dans les vignes. C'est bon, non? Oui, il est bien frais. Ah bah, moi, j'ai goûté ça ce matin, ça m'a bien plu. Hein, l'avantage de mettre du pourpier, c'est que ça donne de la couleur à la sauce. Et ça, c'est bien. Bon, maintenant, Xavier a goûté, moi, j'ai pas goûté. Ça va très bien fonctionner. Moi, j'aime bien quand c'est coupé assez fin. Comme quand tu ferais dans une ravigote ou dans une gribiche. Tu mets pas des trop gros morceaux de cornichons, tu vois. C'est un élément de goût dans la sauce, mais il faut pas que ça prenne l'ampleur sur le reste. La petite sauce est prête, nous allons donc réserver la petite sauce. C'est-à-dire qu'on va la mettre de côté, dans un endroit un peu frais. Comme ça, on va dégager le plan de travail et on va continuer les préparations. Là on a du frais naturel, parce qu'en fait, il y a une cave en tuffeau. Donc, c'est dans la pierre directement, tu es à 13 degrés en naturel. Ça va être nickel, on n'a pas besoin de frigo. Les champignons japonais qui sont faits en Touraine. Et ça, tu vas les faire à la plancha? Ouais. Je vais commencer. C'est beau comme tout. Je te le fais comment? En 4. En 4? D'accord. Dans la hauteur. Dans la hauteur, exactement. Mais ça avec amour, tendresse et passion. Amour, gloire et beauté. Non, c'est pas ça. Si, si, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vois que tu connais bien tes génériques. Mais je crois que tu étais plutôt un amoureux de Renaud, moi. It is not because you are, I love you. Non, mais je les connais pas, celle-là. Je les connais pas. C'est pas parce que you are me, I am you. When I have rencontred you, you are a jeune fille au père. I would appeal to you, on you would appeal to me. Together we go partout, on my mob, it was super. On va les faire, on va les faire en tranches, les courgettes. Non, pardon, ça c'est une aubergine. Ça c'est une aubergine. Les slices comme ça? Les trucs comme ça, là, parce que comme ça, quand on va les mettre à griller, exact, c'est plus facile, elles vont pas être trop chiantes à manipuler. Et mon aubergine cette fois-ci? Et l'aubergine, bah pareil, tu fais des tranches. D'accord. Et est-ce qu'il faut que j'aille plumer les pigeons ou c'est pas trop... On laisse les pigeons tranquilles, j'ai amené du maquereau. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait les légumes? Bah forcément, on va essayer de les cuire, quoi. Qu'est-ce qu'on fait cuire en premier? Qu'est-ce qu'il y a de plus long à cuire? Moi, je dirais les aubergines. Ouais, non. Et les poivrons, je pense. Allez, en même temps? Allez, en même temps. Un tout petit peu d'huile, ouais, ça serait une bonne idée. Trois, c'est tout? Je t'en mets une? Ah, une quatrième, là. Ça rentre, non? T'auras assez de place, toi? Ben, je ferai l'eau tout à l'heure. Si on buvait un coup? Allez. Pendant que les aubergines cuisent? Allez. Mets de l'huile, petit homme, dans la vie, il faut que ça glisse. Mets de l'huile. C'est religieux, hein, presque. Tiens, on va graisser un peu les rouages. Attends, faut que je pose la pince. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous sort, là? Je te sors un grand clos, c'est un Montlouis. On est sur des vignes qui ont 90 ans. Et c'est le millésime 2020.
Donc c'est tout neuf. Bah c'est un jeune millésime, ouais. À la tienne, santé. À la nôtre. À la vôtre. Moi, j'ai cru comprendre que tu avais pour toi une jolie femme. Oui, mais je la cache. Ah, tu veux pas qu'on la voie. On va la piquer, sinon. Ah, mais regarde, elle vient, elle a senti qu'il y avait des trucs à faire. Santé. À la tienne. Donc là, on est sur un chenin sec, donc élevé dans les caves derrière. Cave de Tuffeau, c'est un élevage d'un an en gros fût de 500 litres et on est sur des vignes qui ont 90 ans. Celle-ci elle est bonne, tu crois? Je crois qu'on est pas mal, vas-y. Tu vois, il y a toujours un peu de temps pour les poivrons, c'est toujours un peu long à cuire. On cuit les légumes séparément, pourquoi? Parce que ça évite de mélanger les saveurs d'une part et d'autre part les temps de cuisson ne sont pas les mêmes d'un légume à l'autre. Donc on a cuit les aubergines, on a cuit les poivrons, c'est les poivrons ça, hein? Oui. Ouais, ça c'est les poivrons. Et là, on cuit les champignons. Et j'ai acheté des champignons au marché ce matin parce que la Touraine est une terre de champignons. Il y a beaucoup de caves et ici on faisait quasiment tous les champignons de Paris, c'était fait dans les caves autour. Toi, ça sent bon, hein? Ça sent le champignon, quoi. Chevalier de la table ronde, où ton voir si le vin est bon, s'il est bon, s'il est agréable, j'en boirai. 5. Qu'à mon plaisir, et j'en boirai. Oui, oui, oui. Et j'en boirai. Non, non, non. Et j'en boirai jusqu'à mon plaisir. J'en boirai. Oui, 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 j'en boirai. Alors là, je t'ai ouvert un petit Pinot Noir 2015. Ça sent bon. Donc c'était les tout premiers millésimes pour cette parcelle puisqu'on l'a planté en 2011. Donc, disons que j'étais un des premiers à acheter tes pinots noirs. Exactement. Moi j'aime le pinot. Hein. Et c'est 15, donc c'est une année super soleil. Et en fait, t'as une acidité de dingue. Il y a toujours des fraîcheurs sur ce terroir-là. On conserve toujours des jolis équilibres. Quoi. Ah c'est frais quoi. Oui. Ah, c'est délicieux. Ouais. Délicieux. Quand tu vois le nez que ça a, c'est sûr que c'est bon. Ouais. Ouais, c'est clair. J'ai le droit de goûter aussi ou pas? Ah, vas-y, vas-y. Le problème, c'est qu'après, on n'aura plus rien à manger avec le reste. Mais... Ils sont croquants. Ils ont un goût superbe. C'est assaisonné juste. Mmh. Le produit est bon. La cuisson est merveilleuse. Il n'y a rien d'autre, besoin d'autre. Impeccable. Ouais, c'est top. Hein. Elle est belle, la vie, quand même. Il y en a assez, il y en a assez. Non, mais j'ai faim, moi. Ah, t'es comme moi, t'as tout le temps faim, toi. Ouais, vas-y, vraiment. Hein. J'y vais vraiment? Ouais, ouais, vas-y, vraiment, ouais, ouais. Alors le truc qui est bien, c'est que Xavier va avoir bouffé la moitié des légumes avant qu'on ait dressé les assiettes, si tu veux. On est tranquille. Quand vous invitez des gars au barbecue comme ça, méfiez-vous qu'ils ne vous bouffent pas tout le barbecue avant que vous ayez fini le barbecue, quoi. Ah, ils sont jolis, là. Là. Elles sont belles, hein. Elles sont toutes... Belles comme le jour. Belles comme l'amour. Là, là, je vous présente Sulfite. Regarde. Dis bonjour à tout le monde, Sulfite. Elle se lèche. Elle a poil dur. Elle se lèche les babines quand même. Hein. Oui, bah, se lèche, et pas que les babines. Elle lèche aussi les nez. Hein. Tu lèches aussi les nez. Ouais, tu lèches très bien les nez. Dis l'oiseau, oh dis emmène-moi. Dis l'oiseau, au pays d'autrefois. Alors, le problème de tout ça, c'est qu'on doit faire normalement une assiette après où on va présenter les trucs. Sauf qu'on aura bouffé la moitié des légumes avant d'avoir fait l'assiette. Mais c'est pas grave, c'est tellement bon. Les shiitake, là, ils sont extraordinaires. Donc achetez-les au marché de Tours, là, au Val de Tours. C'est juste fabuleux. Donc ça, c'est une tuerie. Hein. Qu'est-ce que c'est bon? C'est super bon. C'est croquant, c'est gourmand. J'adore. Je dis, les produits sont super frais et c'est délicieux. C'est qui ton petit producteur à Tours, là? C'est Picou. C'est Picou. C'est Picou. C'est Picou. Oh là là, Picou. Picou, fils de son père. Pour ceux qui n'auraient pas lu Picou, fils de son père, je vous le conseille vivement. Donc maintenant, après une petite dose de légumes, parce que 5 fruits et légumes par jour, n'est-ce pas? Alors si vous venez chez moi, vous aurez que des patates. Après les légumes, moi je pense qu'un petit maquereau, parce que j'adore le maquereau, un petit maquereau grillé avec une sauce tartare et les petits légumes, ça va être une tuerie. On nous a levé les filets ce matin au hall, et là on va les mettre à cuire, vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine. Même moi j'y arrive. Le maquereau, c'est un poisson gras, c'est un poisson qui est magique. Ça coûte rien ou pas cher, ça cuit vite. Et ouais, ça se rétracte d'un coup, la planche est chaude. Enfin, l'avantage de l'huile d'olive, c'est que ça tient bien la température. Un tout petit peu d'huile, hein, à la maïté. À
Alors les amis, le maquereau, c'est facile à cuire. En fait, on regarde, on cuit le poisson à l'unilatéral. Donc côté peau, on surveille la cuisson du maquereau à la couleur qu'il va y avoir sur le maquereau. On voit là déjà, les couleurs sont en train de virer sur le côté. Et quand ça va être passé dans des couleurs un peu plus blanches, c'est que le maquereau sera cuit. Donc on le laisse travailler tout seul. Et nous, pendant ce temps-là, on continue à boire un coup. Donc tu as choisi du rouge pour le maquereau. Alors, en fait, on peut boire un blanc sec, comme vous le faites avec les chenins. Parce que tous les chenins mènent à Rome, on sait tout ça. Mais on peut aussi boire un rouge léger. Un pinot, ça fonctionne à merveille sur le maquereau. Tu as l'acidité qui est là, oui, tu as la fraîcheur qui est là, oui. Les tanins qui sont d'une grande finesse. Et donc ça marche très bien sur le maquereau aussi, et sur d'autres poissons d'ailleurs. Pourquoi on mettait du blanc sur les poissons et sur les crustacés historiquement? Et pourquoi c'est resté dans les mœurs? Parce qu'on soufrait les blancs. Et les poissons et les crustacés n'arrivaient pas obligatoirement très frais à Paris ou ailleurs. Et donc le soufre avait un effet désinfectant sur des produits. Et tu vois, regarde. Là, il change. Ça change de couleur. Et on va pas être mal là. Dans 5 minutes, on est bien. Je peux vous dire qu'il y a des odeurs. C'est juste, ça sent le citron, ça sent l'huile d'olive. Le maquereau est discret à souhait. On a le poivre du Szechuan qui fonctionne, la fleur de sel. Moi, je pense qu'on va se régaler. L'avantage de ces barbecues-là, c'est qu'en fait, c'est électrique. Donc tu te fais pocher, tu branches le courant, ça marche tout seul, t'allumes pas le feu, t'es pas embêté à savoir s'il faut mettre du charbon ou pas du charbon. Après tu passes un coup d'éponge et c'est tout propre, t'es pas obligé de t'embêter quoi. Ça c'est quand même bien, hein. C'est pratique. Par contre... C'est beau non? Ouais, c'est chouette, super. C'est très beau. Alors les amis, maintenant qu'on a cuit les légumes, le poisson, qu'est-ce qu'on fait? On va dresser une belle assiette. Moi j'ai jamais le temps de dresser les assiettes. Comme là on est avec des potes, on va faire joli. Comme ça ils vont avoir l'impression d'avoir un joli truc. Regarde, on va en mettre 3 là. Comme ça, au milieu. Hop. Un bout d'aubergine ici. Un bout d'aubergine là. Sauf qu'il manque des choses. Forcément, on en a bouffé la moitié. Donc, il en manque un peu. Hop. Elle est pas belle, cette assiette? Elle vous plaît pas, cette assiette? Elle est pas belle? Eh ben, moi, elle me plaît. Et d'ailleurs, elle me plaît tellement que j'ai qu'une envie, c'est d'en manger. Le problème, c'est que si je mange tout seul, après, il n'y en aura plus pour les autres. Donc, je vais attendre un peu. On a fait une petite sauce tartare tout à l'heure. Et donc là, on a toujours la petite sauce tartare qui est là, qui nous attend. Et pour que ça soit un tout petit peu joli, on peut faire comme ça. Là, on va se régaler, c'est top ça. En fait, la sauce tartare, c'est une base de mayonnaise en fait. Donc tu mets du sel, du poivre, de l'œuf, de la moutarde, si t'en trouves, un peu d'huile de tournesol. Et puis nous, on a rajouté un peu d'oignon blanc, un peu d'échalote, on a rajouté un peu d'estragon et on a mis un peu de cornichon. Mais on pourrait aussi rajouter du cabre, on pourrait rajouter aussi des cerfeuils, on pourrait rajouter d'autres herbes qu'on a à portée de main. Ça sent juste très bon. Ah, mais il y a Joachim qui revient de la vigne. Bonjour. Salut Joachim. Ça va? Tu vas bien? Très bien, ça a l'air bon. C'est très bon. Tu veux goûter un peu de maquereau? Moi, c'est la tartare qui m'a... Ah, bah goûte la tartare, elle est très très bonne. Avec les légumes crus, ça marche à merveille. Bascule un coup de 21. Merci. Donc ça, c'est pris sur fût? C'est pris sur fût, ouais. Les amis, bientôt en bouteille. C'est quand en bouteille ça? C'est en novembre. En novembre, ça sera en bouteille, les Pinots 2021. Dépêchez-vous, c'est 2000 bouteilles. Hein. Donc c'est pas beaucoup, 2000 bouteilles. Faut acheter tout de suite chez Xavier. Je disais que la cuisson était super. Avec un poil de légumes comme ça, là. Et là, tu fais des vrais sandwichs, tu vois. C'est bon quand même, non? Quand même. Mais c'est tellement bon. T'as aucun ingrédient qui prend dessus. T'as chaque ingrédient qui se manifeste en temps voulu, c'est super. Je suis ravi que ça te plaise. Alors c'est des maquereaux qu'on a achetés au Halles de Tours, mais c'est bien du Pays Bigoudin, donc c'est des maquereaux qui viennent de Bretagne, qui sont en petite pêche, et c'est juste à tomber par terre, quoi. C'est fin de journée, ou c'est début d'apéro, ça dépend, hein. Santé. Santé, à la bonté. On pense à vous. Je te les coupe en 6. En 6, c'est bien. C'est bien, 6. En 6, c'est bien. Et moi, pendant ce temps-là, j'ouvre le vin. Vas-y. Ouais. Alors moi, tu sais que je suis un amoureux des liquoreux. J'adore ah ça. Oui. D'accord. T'adores les sucres. Moi, j'adore le sucre. 2005, c'est un grand millésime aussi. Hein. 2005, c'est un très beau millésime de Loire et de France. De toute façon, on a pu faire des vins secs, des vins pétillants, des vins demi-secs, moelleux et liquoreux. Alors, j'ai les mains un petit peu dégoûtantes, hein, je me permets. Vas-y, vas-y, fais comme chez toi. Par contre, je sais pas où j'ai mis mon verre là, ce coup-ci. Là. Ah, il y a de la couleur. Hein. Là, bah, tu commences à avoir de l'évolution. Hein. Ah, mais c'est comme ça qu'on dit. Hein. Ah bah écoute, ouais, pas de l'oxydation, de l'évolution. De l'évolution, très bon l'évolution. Nous sommes le soleil. Oui, on n'est plus des soleils à cette heure-ci là. Hein. La lumière est partout. Il y a 200 grammes de sucre résiduel, moi qui adore les liquoreux. Là c'est juste magique quoi. Ça te plaît? Ah bah moi j'aime ça, c'est un truc de fou, j'aime vraiment ça. Les amis, à la vôtre. Santé. Et surtout,
Tout le monde ne veut pas boire de liquoreux, mais vous êtes con. Buvez des liquoreux. C'est juste merveilleux. Un grand Sauternes, un grand Alsace, un grand Chenin liquoreux. Mmh. Et là, on n'est pas en appellation ni Quart de Chaume, ni Léon. Non. On est en Mont-Louis. On est au-dessus. On est en Mont-Louis, tu l'as dit. Ça s'appelle Mont-Louis et ça s'appelle Mont-Louis tout court ou ça s'appelle Mont-Louis liquoreux? Mont-Louis-sur-Loire, appellation liquoreux. Ça fait bon ça. Regarde. Regarde le chocolat là. Regarde comme il est beau ce chocolat. Moi j'adore ça. Alors le problème c'est que quand je regarde la caméra et que je regarde pas la casserole, je suis pas à l'abri de faire d'une connerie et de mettre le chocolat à côté de la casserole. Et ça serait dommage. Parce que du beau chocolat, comme ça, brillant, t'as la couleur là. Waouh. Alors les amis, un petit dessert à faire au barbecue sur l'induction. Ça va plaire aux enfants, ça va plaire aux grands, ça va plaire à tout le monde, parce que si ça me plaît à moi, ça doit plaire à tout le monde, forcément. Petite fondue au chocolat, des fruits achetés ce matin sur le marché, et surtout du joli, joli chocolat. Et vous avez vu, j'ai pas utilisé de bain-marie. Parce que quand tu mets la plaque à induction entre 50 et 55 degrés, et ben tu laisses ton chocolat fondre tout seul, il crame pas, il brûle pas. T'as pas besoin de rajouter autre chose de lent comme un jus de fruits ou pour donner un peu de d'onctuosité à ton chocolat. Le fait de le chauffer tout doucement sur une induction, ça te pose pas de soucis. Tu pourrais pas le faire au gaz de la même façon, parce qu'il faudrait entre les deux mettre un bain-marie par exemple. Et maintenant que le chocolat est prêt, qu'est-ce qu'on fait avec le chocolat quand il est prêt? Ou on trempe directement dans la gamelle, ou on triche pour éviter de perdre son fruit. Si tu perds ton fruit dans la fondue, parce que c'est une fondue au chocolat, et ben t'as un gage. Et comme tu veux pas de gage, regarde, là, comme ça, tu ne le perds pas. Et voilà, et si, je l'ai perdu. Et donc, mais j'arrive à le rattraper. Et quand j'arrive à le rattraper, ben, j'ai pas de gage. Normalement, c'est comme ça, pas de gage. Comment je fais avec la cuillère pleine de chocolat? Je fais comme ça. C'est bon, ce truc-là. C'est très bon. Le chocolat est top, et les fruits sont top. Oh. Alors, le danger, c'est toujours de perdre le fruit dans le chocolat. Prends un pic. Mais qu'est-ce que c'est gourmand, ce truc-là? Et t'as les amertumes du chenin avec le chocolat fondu, là. Ça marche? Ah, ça fonctionne, c'est super. Fondu au chocolat, chenin. On pourrait le faire avec un sec ou ça marchera qu'avec un tendre? Ou avec un moelleux ou avec un sucré? Il faut quand même des sucres là. Il faut des sucres et un petit peu d'évolution. Donc avec un vieux liquoreux. Un peu d'âge, le chenin étant un cépage qui se garde très longtemps. Il y a bataille. C'est longtemps. C'est longtemps. Justement. Ah, t'as un vieux chenin à me faire goûter toi. Allez. Allez, on y va. Parce que la fraise et le chocolat, ça, ça marche. Petite mara des bois, là, avec le chocolat, c'est gros niveau. Très, très gros niveau. Et ça, avec un petit coup de chenin liquoreux, paradisiaque. Manger du chocolat. Il est très bon. Chocologique à La Rochelle. Pourquoi ça vient de La Rochelle? Vous le saurez pas obligatoirement, mais en fait, dans l'équipe, on a un gars qui habite à La Rochelle. Et donc, il a amené le chocolat avec lui. Donc là, je te propose une pâtisserie de Touraine, produite à Saint-Martin-le-Beau, là où on a nos vignes. Et donc, c'est une pâtisserie japonaise. Je crois que c'était Fond Touraine. Mais oui. Mais c'est Mathilde Amotte qui a ramené cette recette du Japon. Tu as cette pointe d'acidité, de tension, d'agrumes, qui est intéressante en accord mets et vins. Tu es sur une pâte de riz gluant et de haricots. Et à l'intérieur et gluant, yuzu. Yuzu. Voilà. C'est bon, hein? Pour finir... Oh, il y a de la couleur, là. Ouh là là. C'est vieux, ça. Exactement. C'est pas du siècle dernier. C'est d'avant encore. Ça, c'est un vin qui est de 1893, qui est le grand millésime du 19e siècle. C'est un vin qu'on a récupéré dans les caves. C'était là? C'était là, enterré dans du sable. C'est dingue. En tout cas, merci, parce que ça, c'est quand même un grand... Un très grand vin. Nous, en fait, de toute façon, je veux dire, ce qu'il y avait en 1893, on s'en fout. Ce qui nous intéresse. Il n'y avait pas de chimie. Il n'y avait pas de chimie, ça c'est sûr. Donc les vignes, elles étaient propres. Et le gros truc qu'il y a, c'est qu'il y a encore des vins de 1893. Avec une buvabilité. Alors, c'est dingue, hein? Importante, quoi. debout dans du sable. Debout dans du sable, c'est ce que faisaient les anciens ici dans la région. Les amis, on va finir là-dessus, parce que quand même, un truc qui a bientôt un siècle et demi, c'est plus frais que nous, surtout à cette heure-là, tu vois, c'est super bon. Alors, vous en boirez pas, mais on va partager l'émotion avec vous. À bientôt, les amis. À bientôt.